Alors actuellement, le nombre de personnes qui travaillent sur le site du Jardin de Versailles, on est 29 jardiniers détachés à l'établissement public sur 85 hectares d'entretien. La production annuelle de fleurs pour Versailles, on est à 250 000 plantes, quarantaine d'espèces de plantes, que ça passe de l'œillet d'Inde à la sauge, que ça passe au canna, au dahlia, avec différentes variétés que l'on utilise. À l'époque du roi Louis XIV, les parterres du jardin n'étaient pas fleuris. Vous aviez le parterre du Midi qui était plutôt agrémenté en couleurs grâce à des cailloux de la brique pilée. Et le parterre du Nord, c'était vraiment de la fleur simple et de la plante qui était plutôt la petite plante vivace. On marche avec la saison, par exemple, actuellement on est au printemps. L'activité des jardiniers de l'orangerie, ça va être commencer le traçage pour l'emplacement des caisses dans le jardin. On commence à sortir les caisses. Sur les autres parterres, les jardiniers vont entretenir le parterre avant la floraison, c'est-à-dire on va éviter qu'il y ait de l'herbe, on fait les découpes des pelouses, on entretient, il faut que le jardin soit beau et propre pour le public. Donc c'est très varié, à chaque équipe a un secteur à entretenir. Donc, durant la saison d'été, ils ont toutes les fleurs à désherber, à effleurer. Ensuite, arrivé l'automne, on va commencer à avoir le ramassage des feuilles. Et ensuite, l'hiver, ils ont l'entretien de l'intérieur des bosquets. Là, la position de travail, soit c'est accroupi, t'es à genoux, le dos courbé. Tout ça, après ça, t'as des problèmes de dos. Bon, ça, c'est les problèmes du jardinier, ça, tout le monde le sait. Mais dans l'ensemble, le jardinier, il n'y a pas de... Il suit, hein. Quelle formation j'ai reçue pour arriver à Versailles? D'abord, j'ai suivi une école horticole pendant 4 années pour avoir un brevet professionnel. Et j'avais un collègue de travail d'école qui travaillait ici. Il m'a dit, tiens, on cherche des jardiniers. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé. Et donc, là, ici, à Versailles, je suis dans ma 41e année. Donc, Versailles, c'est le summum d'une belle carrière, je crois que bien accomplie.